Wapi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Et oui, le sapin est toujours installé. Bon, on compte l'enlever ce week-end là, voilà. Du coup, je reviens en fait avec un nouveau vlog parce que je me suis dit que ça serait cool de vous montrer ben, déjà mes petits progrès en broderie, mes lectures en cours, voilà, mes petits cadeaux de Noël que j'ai eus. Enfin voilà, je trouvais ça plus chouette, plus cool de faire ça à la chill dans un vlog, voilà, plutôt qu'une vidéo avec tout regroupé. Donc voilà, je vais petit à petit vous montrer tout plein de choses comme c'est le cas dans mes vlogs. Et puis là, je vais d'ailleurs vous faire un biblio-haul. Directement, je reviens de la mercerie. Donc j'ai acheté d'autres trucs pour broder. Ça y est, c'est devenu une passion dévorante. J'aime beaucoup trop. Je m'améliore vraiment, mais beaucoup. Enfin, franchement, je suis trop trop contente. Je regarde plein de vidéos sur le sujet et tout pour apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux points et tout, de nouvelles méthodes. Donc bah, franchement, ça marche plutôt bien pour le moment. Donc je suis assez contente. Et puis donc ouais ça me prend du temps par contre, c'est hyper long, mais c'est tellement agréable, je me mets une série en fond ou un documentaire vu que une de mes résolutions de l'année, j'ai pas trop de résolutions en soi, c'est plutôt une intention, hein, j'ai appelé ça comme ça. Une de mes intentions est de regarder encore plus de documentaires qu'avant. J'en regarde assez régulièrement, mais franchement j'ai trop trop une soif de découverte, d'apprendre plein de choses sur plein de sujets divers et variés. Donc je pense que la broderie va pouvoir m'aider également à, eh bien, à accomplir, pas du tout, je dirais bon, à respecter cette envie que j'ai en fait, tout simplement. Ça va me permettre de regarder beaucoup plus de documentaires comme ça en fond quand je fais mes ouvrages. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous montrerai ce que j'ai pris, notamment des petites couleurs qui vont permettre de réaliser des petites... C'est le bordel là, mon Dieu, il y en a partout, il faut absolument que je range. Je vais ranger un petit peu et après je me pose pour vous montrer ce biblio-haul qui est spécial graphique, hein, puisque là j'ai pas trop envie de lire des romans en fait en ce moment. J'ai vraiment une soif de graphique et surtout de BD. Et j'en ai très peu hein, dans ma bibliothèque. J'ai simplement bah, la suite de Luna, là je regarde, hein, elles sont juste devant moi. Ouais, j'ai la suite de Luna et le dernier tome de Aubépine, bon, qui seront lus forcément rapidement, mais voilà, j'avais vraiment envie de BD en ce moment. Donc je suis allée à la médiathèque spécialement pour ça et j'en ai pris pas mal des BD, mais inconnus au bataillon et j'adore ça. Vraiment me laisser juste inspirer par la couverture, quelques mots clés, et voilà, c'est ce que je préfère. Donc ça fait du bien aussi de se pencher sur des ouvrages complètement inconnus, juste qui nous inspirent. Donc voilà, je vais vous les montrer par la suite et je vous en reparlerai en compte-rendu lecture quand ils seront lus. Voilà, ben là je vous laisse parce que clairement on est vendredi. Vendredi combien? Vendredi 8, ceci est un de mes premiers cadeaux. Oh, regardez, c'est mon chéri qui m'a offert cette sublime montre. Ça fait le focus, je crois pas. Elle est trop, 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 trop belle. C'est une March Lab et franchement, je m'y attendais tellement pas, mais alors tellement pas. C'est vraiment une excellente montre, une montre magnifique. Bref, il a choisi tout comme j'aimais, toute petite, avec le cadre en or, avec. Des couleurs que j'adore, bref, je suis ravie, ravie, ravie. Mais du coup, là, je vais ranger. Regardez les dégâts. Il y en a partout, donc je range et je me pose pour vous faire, j'ai postillonné, désolé, un biblio-haul. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure! Mes wapis, du coup, je vous retrouve posée un petit peu. Voilà, je m'en suis sortie et je vais vous présenter donc tous les graphiques que j'ai pris en bibliothèque. Là, tout simplement, j'ai une folle, folle envie de graphiques et du coup, voilà, je me suis dit que découvrir des ouvrages comme ça dont je n'ai jamais entendu parler, juste me laisser porter par cette inspiration, par une couverture, par un titre et également par quelques mots-clés, j'en avais vraiment très, très envie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vais également vous présenter mes cadeaux de Noël concernant les livres et également mes derniers achats en presse. Donc là, il y a beaucoup de choses. On est parti pour un petit moment et je commence tout de suite donc avec le biblio haul.
Donc, en premier lieu, j'ai trouvé cet ouvrage aussi, donc qui est édité chez Casterman. C'est L'homme qui marche, donc de Jiro Taniguchi. Bon, alors ça va être des ouvrages qui sont, je pense, assez anciens hein, pour la plupart. Mais je suis trop contente. Il est extrêmement joli. Bien sûr, je vous mets tous les close-ups et tout. Je vous montre d'un petit peu plus près. C'est un très très bel ouvrage, j'aime beaucoup beaucoup l'esthétique de l'intérieur et surtout le propos. Bah déjà L'homme qui marche, moi ça m'a de suite enchantée et ça a l'air en fait d'être un livre graphique qui nous permet de contempler, d'apprécier des petits moments du quotidien, de savourer les petits plaisirs de la vie en tout cas. Je pense qu'on va du coup marcher et s'arrêter sur plein de petits moments de vie intéressants, qui va nous ouvrir les yeux sur plein de petites choses à voir, à regarder, voilà, et peut-être développer la sensibilité chez des personnes qui sont pas forcément éveillées à ce genre de choses. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très très porté sur l'ambiance et tout, et je fais toujours très attention à tout ce qui m'entoure. Aux petites choses en fait qui se présentent à nous et je pense que du coup ça va trop me plaire. Donc par exemple dans le sommaire ici on a voilà observer les oiseaux, grimper aux arbres, il pleut, nager la nuit, en remontant la rivière, le long du chemin. Et je pense que ça va être tranche de vie, que ça peut vraiment beaucoup me plaire. J'ai de suite été happée rien que par l'esthétique comme ça et regardez cette beauté. Et puis ouais l'intérieur est tout aussi beau, il y a même des pages entières colorées. Et c'est sublime, j'ai trop trop hâte de le lire. Ensuite, là, je dois vous dire que c'est clairement l'esthétique du livre qui m'a frappée, également le titre, L'homme bonsaï, donc c'est de Fred Bernard, c'est chez Delcourt Mirage, donc je pense que c'est un ouvrage français, et couleur, c'est Delphine Chédru. Et là, c'est très très particulier, hein. On a un style qui est bien à lui. Voilà, j'ai trop envie en fait de découvrir plein de styles graphiques différents et tout. C'est vrai que les BD, j'aimerais en lire beaucoup plus, mais ça a quand même un coût qui est énorme. Et je vais donc m'orienter beaucoup cette année, je pense, sur la bibliothèque pour enrichir un petit peu ma culture BD et découvrir plein de styles graphiques différents. Parce que ouais, les ouvrages BD restent toujours très chers et bien sûr, hein, c'est complètement compréhensible. Il y a un travail monstrueux derrière, hein, ne l'oublions pas. Mais voilà, c'est vrai que du coup, je m'achète pas 15 BD dans l'année. Et donc, du coup, bah, je suis ravie. Celui-là, il a l'air complètement what the fuck. Apparemment, ça nous compte l'histoire d'un homme ordinaire dont le destin, voilà, sera à la fois tragique et fantastique à cause d'une petite graine qui lui est tombée sur la tête. Je trouve ça super original et je pense que ça va être assez poétique. Ensuite, un livre qui m'a mais interpellée direct. J'ai fait, toi, je te prends. Regardez, c'est très très intrigant. On ne sait pas du tout ce dont ça va parler. Il n'y a pas de résumé, rien. Ça s'appelle Ici. C'est de Richard McGuire et c'est publié chez Gallimard. C'est quasiment tous des hardbacks là en plus, ils sont magnifiques hein, les ouvrages franchement. Et il m'a trop intriguée parce que bah, je vous montre le début ici en close-up que je suis en train de feuilleter ici. Et ça a l'air si particulier en fait, c'est trop bizarre, j'avais jamais vu d'ouvrage bien compté de cette manière-là. Donc je pense que ça va être une expérience assez unique, assez à part. Et j'ai hâte de vous en dire plus parce que bah, c'est particulier quand même. Donc j'espère que ça me plaira, que je vais adhérer à ce genre de récit. Une histoire qui se regarde, qui est très visuelle. Mais voilà, le récit passe énormément par l'image. J'ai hâte, hâte, hâte de connaître un petit peu le propos de ce livre aussi qui m'intrigue beaucoup. Ensuite, j'ai pris celui-ci, mais ça m'a trop happé. La couverture m'a ébloui, franchement. Elle est tellement solaire, elle est super belle. Et puis Le chien gardien d'étoiles. C'est magnifique, c'est de Takeshi Murakami, c'est chez Sarbacane. Ici, c'est un ouvrage qui est semi-rigide, vous savez, j'adore ce format-là. Il est vraiment chouette, très 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 joli. J'aime beaucoup. Donc là, il n'y a pas du tout de couleur, hein, c'est en noir et blanc. Et quand on ouvre à l'intérieur, on nous dit c'est un ouvrage qui désigne les personnes recherchant toujours à obtenir ce qu'il est impossible de posséder, à l'image d'un chien regardant fixement les étoiles et ayant l'air de vouloir les attraper. Je trouve que ça peut être un livre qui dénonce pas mal de propos sympas, qui doit être enrichissant et prenant. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le comparatif avec, ben, avec le comportement humain hein, via ce propos et j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est donc une BD également qui s'appelle En silence. Hop, et derrière, il y a juste marqué J'étais au bout du monde et toi de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il va s'agir d'une romance
Je ne sais pas du tout. On est apparemment dans quelque chose de très passionnel, hein, puisque l'océan est omniprésent avec une activité qui a l'air d'être la plongée ou l'apnée, je ne sais pas trop, qui est là au centre de l'histoire. Ça m'inspire énormément. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et j'adore ça. Donc, c'est En silence de Audrey Spiry. C'est publié chez qui? Je crois que je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Je vais regarder d'un peu plus près. Ah, dis donc, c'est Casterman, mais alors ça n'apparaît pas. Ou alors c'est l'ancien logo de Casterman, ça doit être hyper vieux. Je suis trop contente, c'est une jolie BD. Et puis à savoir que donc ces BD, si vraiment j'ai un coup de cœur pour une BD en particulier, ben, j'essaierai de la chiner, de me l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque en occasion. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de découvrir des BD parce que... c'est pas tous les jours. Et enfin, j'ai pris ce dernier qui est une belle BD également. C'est la saga de Grimm de Jérémy Moreau chez Delcourt Mirage. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça a été adapté en film d'animation. Je sais pas pourquoi, mais cette pochette là, enfin cette image, j'ai l'impression d'avoir déjà vu sur une pochette du coup de DVD ou... alors peut-être que je dis complètement n'importe quoi et que c'est simplement le style... et peut-être une ressemblance hein, avec ce que j'ai déjà vu, dites-moi si c'est le cas, mais je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Bref, là on a un style qui est un petit peu particulier, j'aime un peu moins parce que les personnages me font peur, mais voilà, je suis curieuse de découvrir parce que l'histoire m'intéresse. Il y a juste marqué, je n'ai pas de nom, pas de famille, pas de terre, pas de possession, pour eux je ne suis personne, mais je vais leur montrer qui je suis, le temps d'une vie. Chacun de mes actes comme autant de pierres posées pour construire l'édifice final. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un volcan dans l'âme. Et là, je trouve que ça peut vraiment nous dévoiler une histoire hyper puissante avec un personnage qui va se révéler très très rageux, avec une flamme intérieure assez violente, brûlante. Et je pense que ça peut être très très intéressant et que ça peut me plaire. Donc voilà, je me suis laissée tenter, même si à la base c'est pas des illustrations qui me plaisent énormément. Je vous dis, ça me fait un peu peur. Bon, oui, il y a des illustrations qui font peur. Je ferai tout en close-up, hein, bien entendu, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vraiment à voir. Et puis de toute manière, j'adore qu'un style graphique soit associé à une œuvre. Et puis ça nous marque en même temps en fait que l'histoire. Et moi, ça ne me dérange pas du tout, même si à la base, c'est pas un style graphique que j'affectionne. J'arrive totalement à me plonger dans l'histoire et à l'associer vraiment à ce qu'il raconte en fait. Donc voilà, ça me gêne pas. Donc ben voilà pour mon biblio haul, tout simplement spécial graphique. Donc je pense que vu que ce mois de janvier, j'ai pas trop envie de lire de romans vraiment à proprement parler, eh bien je vais me plonger dans ces livres-ci. De toute façon, il va falloir que je les ramène avant fin janvier. Donc voilà, je vais les lire ce mois-ci avec peut-être un roman, je dirais. Et voilà. Je le mets là cette fois-ci, je vais pas rater si ça s'arrête. Bon, mes wapis, du coup, je vous reprends sous un autre angle puisque ma vidéo s'est arrêtée. Je viens de regarder si ça avait bien capturé et ça s'est arrêté à la fin de la présentation du Biblio Haul alors que je vous ai présenté les revues presse et mes cadeaux de Noël. Je suis ravie, donc je recommence, mais avec plaisir. De toute manière, c'est pas un souci. Je vais commencer par les petites revues que j'ai achetées récemment. Hop, je mets tout ici. Je commence par les revues Disney et j'ai acheté cet ouvrage-ci, donc c'est un format magazine hein, ici. C'est la 7e obsession donc, qui a sorti un hors-série sur Disney. Donc c'est un livre, un magazine je crois qui est spécialisé dans le cinéma. Et ici donc un hors-série sur Disney avec le règne de Walt Disney, donc de 1925 à 1966 sa mort. C'est un magazine de 132 pages et qui a une esthétique folle. J'aime beaucoup, beaucoup trop le style. Il y a tout plein d'informations et donc on y retrouve tous les Disney sous le règne de Walt. Donc le dernier doit être le livre de la jungle, vu que c'est la date de la mort de Walt. Malheureusement, il n'a jamais pu voir le livre de la jungle en film abouti, terminé, en sortie cinéma, alors que c'était un des films qui lui tenait le plus à cœur. Ça m'avait brisé le cœur quand j'avais appris ça, mais ouais. Il n'a pas vu de son vivant le livre de la jungle. Donc, il est magnifique, je suis trop contente. Celui-ci, il est au prix de... Il est à moins de 10 euros, je crois, je l'avais vu. 8 euros. Voilà, 8 euros, et franchement, il les vaut clairement. C'est un ouvrage qui est hyper intéressant, où il y a tout plein d'infos, et sur Walt, et sur son passé, et sur son histoire, et également plein de...
plein d'infos sympas sur les Disney en eux-mêmes. Il y a également des petites visions d'artistes. Hop, je vous mets ça, regardez cette beauté. Il y a une galerie d'affiches. Voilà. Regardez-moi ça. Je suis tombée amoureuse de cette affiche de Bambi. J'aimerais trop trop essayer de me la procurer en fait sur internet, je sais pas. Essayer de me la procurer et de l'encadrer. Je la trouve incroyable. Elle retrace tellement bien. Je trouve qu'elle est hyper hyper véridique sur le Bambi. En fait, j'aime trop. Bref, du coup, voici cet ouvrage. Je suis trop trop contente d'avoir pu le choper. Et toujours sur Disney, j'ai pris ce gros ouvrage. Celui-là, il est bien épais, il est gros. Il est cher également, il coûte une vingtaine d'euros. Il coûte 19,90€. Et par contre, c'est vraiment un gros ouvrage de référence. C'est un numéro collector, donc de chez Collection Pop-Up. Et il est vraiment génial, puisqu'en fait, il va nous décrire toutes les films Disney, toutes les productions Disney. Donc par exemple, ici, je tombe sur quoi? Fantasia 2000 et Dinosaures. Et on a en fait les dates de sortie, le titre VO, les réalisateurs, les moments mémorables, le chiffre au box-office, où est-ce qu'il est disponible. On a plein d'informations sur le film en lui-même, on a des fun facts. Et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on y retrouve les séries marquantes, les chefs-d'œuvre de l'animation, les films, les sorties à venir. Et il est hyper à jour puisque le dernier Pixar en date, je vous le montre, c'est Soul. Donc voilà, un tout juste sorti en ce mois de décembre, le 25 décembre, sur Disney+. Donc voilà, il est hyper actuel, il est très riche, il est complet. J'aime beaucoup. Et donc on a toute une partie sur les prochaines adaptations live qui paraîtront. On a une partie donc sur les films inspirés d'attractions, les prochains films d'animation, les prochains films Disney, les prochains films Star Wars, les prochains films Marvel et les prochaines séries Marvel ainsi que les prochaines productions Disney+. Donc il est hyper complet, je suis contente, voilà, je trouve qu'il vaut son prix parce que c'est voilà, un ouvrage, comme je vous dis, de référence. Vous pouvez aller piocher une petite information dont vous avez besoin directement en format papier sans aller chercher sur internet ou ailleurs. Et je trouve ça super contente, moi c'est vraiment deux magazines là qui vont rejoindre ma collection de livres Disney que je vous ai déjà présenté. Il suffit de regarder juste ici si ça vous intéresse. Je vous ai présenté toute ma collection de livres Disney animation. Donc si le sujet vous intéresse, ça devrait vous plaire du coup. Et voilà, je vais directement les intégrer. Je trouve que le format magazine est aussi très très intéressant et très enrichissant. Donc voilà, c'est deux ouvrages que je suis contente d'ajouter et d'avoir dans ma collection pour toutes les infos qu'ils contiennent, tout simplement. Ensuite, du coup, niveau magazine, je me suis acheté le dernier numéro de Espèce, qui est une revue d'histoire naturelle. Donc là, ça plaira à ceux qui sont passionnés de biologie de manière générale et d'histoire naturelle. Donc on évoque tout plein de sujets spécialisés à chaque fois. Ça peut être de l'entomologie, de la primatologie. Là, on a par exemple de l'histoire, de la botanique, de la géologie, de la biologie marine dans ce numéro, de l'épistémologie. Donc voilà, c'est un livre spécialisé, mais avec tout plein d'infos. On nous donne des articles, des revues, des informations, des découvertes sur des sujets tout récents ou alors sur... justement sur des, comment on appelle ça, des légendes, des mythes ou des récits d'histoire concernant les animaux, la nature, la géologie, la biologie. C'est fascinant, c'est hyper intéressant, enrichissant et c'est vraiment des ouvrages qui sont passionnants. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était déjà au numéro 38. Je suis ce magazine depuis qu'il est paru il y a quelques années maintenant et j'ai les 6-7 premiers ouvrages dans ma bibliothèque chez mes parents. Et depuis, je ne sais pas, j'ai occulté le magazine, je ne m'étais plus du tout portée dessus. Et là, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, waouh, je vais le reprendre. Et puis, de temps en temps, pouvoir enrichir un petit peu toutes ces connaissances et ces sujets que j'aime énormément, qui me passionnent. Donc voilà, je sais que ça ne plairait pas à tout le monde, mais je me dis que si vous êtes certain à être passionné par ce genre de sujet comme moi, eh bien ça peut-être vous donner une indication d'un magazine qui est hyper, hyper, hyper intéressant sur le sujet, qui évoque plein de choses, dont vraiment peut-être des trucs... l'immortalité du ginkgo par exemple, que j'adore, la feuille de ginkgo, qu'est-ce que c'est beau, j'aimerais trop me la faire tatouer d'ailleurs. Mais voilà, vous dites...
Vous n'allez pas vous faire une recherche là-dessus particulièrement. Et donc, ça nous ouvre à tout plein de sujets juste fascinants. En tout cas, voilà, je me dis que s'il y a quelqu'un de passionné de ces sujets qui passe par là sur ce vlog, eh bien, sera ravi de découvrir, s'il ne connaît pas encore, ce magazine qui est juste excellent. Donc voilà, il s'appelle Espèces et il est trop trop bien. Et enfin, à mon Bmax, je lui ai pris ce magazine-ci qui est donc un hors-série des cahiers des sciences et connaissances qui est concentré, focalisé sur l'intelligence artificielle, qui fait le point sur toutes les connaissances actuelles, les découvertes récentes et tout de l'intelligence artificielle. Donc voilà, mon Bmax qui est passionné par le sujet des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle tout simplement. Donc du coup, voilà, je pense que ça lui plaire. C'est un petit magazine qui peut l'accompagner tout au long de l'année tranquillement, qu'il peut feuilleter et s'informer sur ce sujet qu'il aime tant. Donc voilà, j'achète pas souvent des magazines, pour autant c'est un format que j'adore, que j'affectionne particulièrement, simplement que bah, ça me prend pas souvent, mais quand ça me prend, bah, je suis ravie. Ou alors quand il y a justement des ouvrages qui sortent sur des sujets particuliers comme Disney ici, que j'apprécie particulièrement, qui sortent, bah, j'essaie de me les procurer pour les avoir dans mes collections tout simplement. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit intermède magazine. N'hésitez pas à me le faire savoir, et si vous avez d'ailleurs des magazines vraiment hyper sympas à me recommander concernant l'animation, le cinéma d'animation de manière générale, ou l'animé, enfin voilà, pas les mangas mais vraiment les animés. Puisque bon, les mangas, je suis l'actualité et tout, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un ouvrage qui analyse, qui décortique certains animés, qui nous montre un petit peu, je sais pas, il y en a tellement en fait. Je me dis des fois, je vais en marchand de journaux et j'en vois plein, je sais pas sur quoi me porter. Donc si vous avez peut-être un titre en particulier d'un magazine qui parle des animés, ça me plairait bien, voilà, de la pop culture également, ce genre de choses que j'aime beaucoup, voilà. Et si vous avez des ouvrages également sujet biologie à me conseiller, je suis tout oui. Et enfin, je vais vous montrer donc mes petits cadeaux de Noël concernant les livres, et je suis juste trop ravie. J'en avais mis très peu sur ma wishlist, j'avais mis quelques mangas, quelques titres de manga et un livre en particulier que je vous montre juste après, que j'ai eu. Du coup, mon petit frère m'a pris, oui, vous rêvez pas, l'intégrale de Blue Flag. L'intégrale de Blue Flag, donc, qui est en 7 tomes, mais donc là j'ai 6 tomes puisque je possédais déjà le premier, et je suis trop trop ravie. Je pense que je vais m'enchaîner la saga sur une semaine du coup, en lisant un tome par jour. Ça peut être super bien, je relirai le tome 1 que j'ai déjà et qui m'avait trop trop plu. Et bah quoi? Bah non, mon, si tu regardes le truc comme ça, hein, de manière insistante, je vais faire Yuhou si tu veux. C'est vraiment un tome 1 qui m'avait enchantée cette année 2020, et franchement j'adorais, moi qui suis pas trop histoire, triangle amoureux et tout, de base c'est vraiment des histoires qui ont tendance à m'agacer, et j'ai trouvé que c'était tellement bien mené, tellement bien amené, que ça m'avait vraiment enchantée, éblouie, et c'était hyper tendre. Et enfin je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce premier tome, parce que j'avais envie de connaître la suite. Je trouvais que c'était vraiment très très bien amené et très bien géré. Donc voilà, je suis trop 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 contente, franchement. Je pensais avoir un ou deux tomes, je lui avais donné 2-3 titres, mais en fait il m'a pris les 6 tomes restants, quoi. Il est trop chou, il m'a en plus de ça offert un manteau qui est juste magnifique, que je vous montrerai si jamais on sort et tout. Je l'aime beaucoup beaucoup trop, et bah voilà, je suis ravie, je suis absolument ravie. En plus, la petite notion, c'est que où il a acheté ses mangas? Chez AFK Manga. Oui, dont je vous parle assez souvent, que j'avais découvert assez récemment, hein, mais l'année dernière, en début d'année dernière. Et voilà, ça avait été le coup de cœur pour cette librairie qui se situe à Nice, je vous le rappelle. Et du coup, bah, c'était toujours un petit peu compliqué pour se procurer des ouvrages. Ils n'étaient pas disponibles près de chez nous, donc plutôt que de commander sur internet, il s'est rappelé que j'étais en contact avec AFK Manga, que j'aimais beaucoup cette boutique, et il a téléphoné, enfin, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a passé commande chez AFK Manga, quoi, directement. Donc je trouve ça trop trop chou qu'il ait eu la démarche de soutenir une librairie que j'aime. Et regardez tout ça, quoi. Je suis enchantée. Il est adorable. Voilà, donc vous aurez mon avis complet sur Blue Flag d'ici peu. Hein, et puis après, comme ça, je serai à jour. Et les prochaines parutions pourront rejoindre ma bibliothèque. Je suis trop ravie. Ensuite, un autre ouvrage dont je ne m'attendais pas du tout, que j'ai eu, qui est un petit peu dans la catégorie beau livre. C'est mon Bmax qui me l'a offert.
Il est trop trop beau. C'est un artbook concernant les courts-métrages de Overwatch, qui est un jeu vidéo que j'aime beaucoup, vous le savez. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Je suis très 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 gameuse. Je ne l'aborde pas trop sur la chaîne, mais j'aimerais beaucoup, quand j'ai la fibre, ça devrait plus trop arriver, ouvrir une chaîne Twitch pour découvrir tout plein de jeux avec vous et tout. Voilà, ça n'intéresse pas tout le monde, mais pour ceux qui aiment ça, je pense que ça vous plaira de découvrir tout plein de trucs et tout. Enfin, j'ai plein d'idées et c'est trop trop bien. J'avais même pas vu la sortie de cet ouvrage en fait, et je le compare beaucoup à, bah, pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent ou qui en ont déjà, au artbook Disney. C'est un petit peu pareil en fait. On a plein d'artwork, on a des... Ouais, c'est trop beau, regardez. Une double page comme ça d'illustration sur l'univers du jeu vidéo. On a du caractère design, enfin on a plein de choses, des décors, des ambiances. On a des... Comment on appelle ça déjà? Des storyboards. Hop, regardez. Bon, là, c'est pas vraiment, vraiment un storyboard, mais je vous montre un petit peu le principe. Enfin, voilà, c'est vraiment un ouvrage qui me fait penser, ouais, au artbook que j'ai déjà dans des thèmes différents. Et ces prochaines années, c'est vraiment une chose que j'ai envie d'agrémenter un petit peu dans mes bibliothèques, d'avoir plus de artbooks concernant les jeux vidéo, en fait, tout simplement, puisque c'est vraiment des univers particulier, unique à chaque fois, et je trouve que d'avoir un ouvrage de référence d'un univers qui nous a fait voyager, qui nous a transporté, et où il y a un travail titanesque derrière, je trouve ça vraiment vraiment cool. En tout cas, moi j'adore ça, au même titre que ma collection de livres Disney. Et c'est vrai qu'on en a quelques-uns, mais assez peu au final, et j'aimerais bien étoffer cette collection, voilà. Donc bah, je suis trop 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 contente, il est magnifique, vraiment, trop trop beau, regardez-moi ça. Là. On a une brillance ici, enfin il est waouh, il est sublime, j'aime beaucoup trop. Donc ça c'était vraiment le livre surprise, je m'y attendais pas du tout, j'étais hyper hyper heureuse. Donc voilà, je l'ajoute à ma bibliothèque de beaux livres spécialisés jeux vidéo pour le coup, et je suis trop contente, trop trop. Et ensuite, le dernier livre que j'ai reçu du coup, dont je vous parlais, c'est celui-ci qui est un gros bébé, hop. Il est juste incroyable, il s'appelle Planète Méditerranée, donc c'est de Laurent Balesta, et la préface est d'Eric Orsena. C'est publié chez les Emeria Éditions, c'est les éditions de Laurent Balesta, qui est un des plus grands photographes de la planète, spécialisé biologiste marin. Bon bref, il est juste incroyable, et il a le même master que moi. Mais voilà, c'est juste un ouvrage de référence que je voulais, qui est l'ouvrage en fait témoin du reportage incroyable qui a été fait, qui est disponible et visionnable toujours sur Arte, qui m'a mis les larmes aux yeux plus d'une fois, qui est juste incroyable, et qui raconte l'histoire de la plus grosse exploration en Méditerranée jamais faite, pour le coup, en scaphandre, enfin des trucs de malade. Ils ont resté plus de un mois sous l'eau dans des conditions hyper compliqué, hyper difficile, mais pour nous ramener des clichés de la Méditerranée comme on n'avait jamais vu, enfin des connaissances et des comportements qui avaient encore jamais été photographiés ou observés. Bref, je suis trop 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 contente de cet ouvrage. Faut savoir que j'ai une collection immense de livres dédiés à la nature, les animaux et la biologie. C'est ma passion dévorante depuis que je suis toute petite, donc d'année en année, j'en ai accumulé énormément, et c'était le cadeau qui me faisait le plus plaisir chaque Noël ou anniversaire. Tout le monde m'en offrait, que ce soit ma maman, mon papa, même qui, pas forcément orienté livre du tout, mais ils savaient que c'était... voilà, si j'avais pas un livre à Noël sur les animaux, ça me... donc j'en avais de ma tante aussi qui m'en a beaucoup offert, mon Baymax également, enfin voilà. J'en ai énormément, et j'avoue que... je rêve d'avoir une immense bibliothèque un jour pour pouvoir caser tous les livres que j'ai et de les classer par univers. Là, c'est vrai que chez moi ici, j'ai pas la place en fait d'accumuler et d'exposer mes livres, donc ils sont toujours chez mes parents, tous mes livres sur les animaux et tout, mais je rêve d'un jour de pouvoir les avoir chez moi, de pouvoir les exposer, les feuilleter souvent et tout, parce que c'est... pour moi, c'est des merveilles, c'est des petits trésors, et je suis ravie de cette grosse collection que j'ai. Peut-être un jour, je vous la montrerai, hein, si ça vous plaît. Ça reste des livres, ça reste de beaux ouvrages, mais c'est, voilà, c'est de la catégorie beaux livres, je dirais.
Et voilà, si ça vous plaît, si vous êtes intéressé par le sujet, pourquoi pas vous les montrer un jour. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, forcément, mais voilà, moi c'est une passion et celui-là, mais je rêvais de l'avoir. C'est ma tante qui me l'a offert et c'est un merveilleux cadeau, donc je suis ravie. Voilà mes wapis, du coup je vous ai montré tout ça, je vous ai dit qu'on resterait un petit moment ici, hein, de tout ce point de vue. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, là je sais pas du tout ce que je vais faire, je pense que je vais peut-être me poser un petit moment pour lire. J'avance très 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 lentement en ce moment niveau lecture, comme je vous dis j'ai très envie de graphique en fait, et très peu de romans en ce moment, donc je vais finir mon roman en cours, qui est Ce qu'il faut de nuit. Et je vous le montrerai après, de toute manière, là je vais faire une petite pause. Et puis je reviendrai après quand j'aurai peut-être un petit peu avancé. Je suis un peu biface là. Luminosité n'est pas terrible, c'est pas grave. Et du coup j'ai un ouvrage aussi en cours sur liseuse et un graphique que j'avais en cours. Donc je vais le laisser en pause parce qu'il est en pause depuis novembre. Mais du coup pour lire cela... pour les ramener à temps, et après je m'y remettrai, mais je vous le montrerai du coup dans ce vlog là je pense, et voilà. Donc petit à petit après dans ce vlog je vous montrerai les autres petits cadeaux de Noël que j'ai eu, je vous montrerai du coup mes lectures en cours, mes ouvrages de broderie qui avancent, je suis trop contente, voilà, hein, toujours en vlog, je montre un petit peu tout ce que je fais, tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime en fait au quotidien, et j'aime bien, voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et puis je vous dis à très bientôt du coup. Là que je suis très très blanche, la luminosité est violente, c'est la lumière artificielle du soir, je viens de me faire un speed de folie parce que mon Bmax il a hyper mal au dos en ce moment, enfin problème de sciatique et tout, et le pauvre il est en douleur, ça me peine énormément en fait de le voir comme ça depuis des jours et des jours, enfin bref c'est horrible, et du coup il me dit non j'ai plus de médicaments et tout, vite s'il te plaît est-ce que tu peux aller à la pharmacie? Elle ferme dans 20 minutes, quoi. Mais heureusement que j'étais genre habillée, ça va. Parce que je me suis tapé un sprint, j'en peux plus. Mais mission accomplie, il a ses médicaments, il va pouvoir être soulagé un petit peu parce que le pauvre, il travaille quand même et tout, et c'est hyper, hyper violent. Donc voilà, mais j'ai gagné un petit tiramisu. Du coup, voilà, il m'a dit, oh, trop bien. Du coup, j'ai un petit tiramisu. Je reprends tout doucement à manger bien. Enfin, c'est pas que je mange mal, pas du tout, en fait, hein, parce que je mange hyper bien, hyper équilibré et tout. C'est juste que pendant les fêtes, forcément, il y a eu un petit peu plus riche, un petit peu plus en quantité. Et du coup, là, progressivement, je me remets à mon rythme normal, en fait. Mais voilà, un petit tiramisu, c'est plutôt cool. Et du coup, je vais regarder Hunter x Hunter, voilà. Je vais me mettre tranquillement... Est-ce qu'on dit Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, d'ailleurs ? Je sais pas trop si le X se prononce dans cet anime, mais du coup ça fait un moment que je m'y suis mis et je me suis dit là, allez, il faut vraiment que tu avances dans tes animes préférés et tout, parce que j'aime trop Hunter x Hunter, et du coup bah, il faut que j'avance un petit peu dans mes séries en cours, tout ça. Voilà, du coup bah, je vais me regarder ça, j'aime beaucoup trop, et on va aussi reprendre l'attaque des titans avec Baymax, parce que pareil, j'avais commencé il y a un bon moment, et il y avait que la première saison dispo sur Netflix à l'époque. Mon voisin qui est en train de s'enjailler avec des chants corses, là c'est... Je vais passer une bonne soirée quoi, bien accompagnée. Et du coup, voilà. On va reprendre l'attaque des titans, parce que là du coup maintenant il y a 2 ou 3 saisons dispo sur Netflix, je sais plus. Il y a la 4 qui vient de sortir, qui fait l'unanimité, tout ça, enfin qui est très attendue. Je me suis dit que ça serait le bon moment pour se relancer là-dedans. Et mon Baymax a très envie de l'avoir avec moi aussi, donc ça c'est plutôt cool, je suis trop contente. Voilà, beaucoup, très période anime en ce moment, j'adore ça. Hein. J'ai toujours aimé ça, mais il y a des périodes où j'ai envie de me lancer un petit peu plus dedans que d'autres. Hein. Voilà, des périodes pour tout de toute façon. Hein. Mais voilà, bon bah du coup je vous laisse là, c'était juste une petite apparition. Du coup parce que j'ai pas lu du tout au final, j'ai terminé ma broderie par contre, ça c'est cool. Je vous la montrerai plutôt demain à l'air, enfin pas à l'air libre, j'allais dire n'importe quoi, à l'air libre. Non, à la lumière naturelle et tout, parce que là il fait un petit peu sombre et tout clairement.
je vous tiens à bout de bras et tout, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà. Et du coup, ouais, je vous montrerai ça mieux demain. Je suis trop contente. Et maintenant, j'ai hâte d'essayer un petit ouvrage sur un t-shirt, un truc tout simple et tout. Mais je pense que là, j'en suis largement capable maintenant. Et sinon, essayer de faire un ouvrage un petit peu plus complexe. Voilà, j'ai hâte. Avec les fils que j'ai pris, les couleurs, là, je vais faire une sorte de... Ouais, de jolies planches florales, ça, je pense que ça va être hyper joli. Enfin, si j'arrive à faire, bien sûr, hein, comme ce que j'ai vu et tout. Mais je suis plutôt confiante, j'ai hâte et je vais tenter et tout faire pour y arriver. Donc, je suis contente. Je vous retrouve sous un angle hyper chelou. Oui, totalement. J'ai la flemme d'utiliser mon trépied. Tout ça pour vous dire qu'au final, hier, j'ai toujours pas lu. Non, j'y arrive vraiment pas en ce début d'année. Hein. C'est terrible. Mais il y a tout plein d'autres choses que j'ai envie de faire en fait à la place. Hein. C'est par phase. Et en ce moment, c'est vrai que ça passe un petit peu au second plan. Mais ça reviendra. Je m'inquiète pas trop. Hein, ça va revenir d'un coup. Et du coup, voilà. L'objet du daily aussi, hein, c'est Assassin's Creed Valhalla. J'ai eu à Noël, c'est mon Baymax qui me l'a offert. Et j'aime trop. Hein. En plus, on vient de terminer la saison, enfin, la série de Vikings. Donc, je suis à fond dedans. Et dans le jeu, on fait exactement comme dans la série. Quoi. On arrive, on pille et tout. On fait ouh, avec la corne et tout. Enfin, c'est vraiment très, très immersif, en fait. Je n'ai jamais joué, en fait, à la saga Assassin's Creed. Je connais énormément de noms, forcément. Mon petit frère, il adore et tout. Enfin... Mais Baymax, il avait adoré l'épisode sur l'Égypte. Et voilà, donc moi, celui-ci, c'est vraiment le premier qui me donnait trop envie. Donc, et pour le moment, j'adore, je suis trop contente. Sinon, niveau un petit peu gaming geek, j'ai aussi reçu ce jeu-là à Noël. Voilà, c'est Layton Mystery Journey, donc avec Catriel, la fille de Layton. Voilà, pour ceux qui connaissent la saga, j'adore, c'est des petits jeux d'énigmes avec une histoire... enquête en fond en fait et c'est super cool en fait, j'avais mis ça sur ma liste pour qu'on puisse jouer à la Switch en fait tous les deux avec Baymax et tout. Au final lui il accroche pas trop, enfin il aime bien que quand il y a les énigmes en fait et l'histoire de fond il s'en fiche un peu, il trouve que c'est un peu longué donc voilà, je l'appelle quand il y a des énigmes et on essaye de les résoudre ensemble. On n'a vraiment pas beaucoup fait hein, pour le moment. Vraiment, c'est le tout début. Et un magnifique cadeau aussi que j'ai eu de la part de mon Baymax. Regardez-moi cette merveille. C'est le coffret 4K des Blu-ray du Seigneur des Anneaux. Donc, le coffret, il est vraiment magnifique. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc tout. Vous avez la trilogie. C'est super beau. Regardez, hop. Les deux tours et à chaque fois il y a la version 4K, la version longue, la version cinéma, donc ça c'est plutôt cool en fonction de ce qu'on veut regarder. C'est vraiment ma saga préférée de tous les temps, hein. Le Seigneur des Anneaux, je l'ai vu, je ne pourrais même plus dire combien de fois je l'ai vu, clairement c'est mon film préféré à tout jamais et du coup voilà, je suis trop contente, là j'en ai un beau coffret. Baymax il avait lui sa saga chouchoute qui est Harry Potter en 4K et du coup ben voilà, il m'a offert ce merveilleux coffret, je suis trop contente, hein. Il est magnifique, sublime. Voilà du coup pour ce qui était un petit peu geek, en plus du livre de Overwatch que je vous ai montré, là je suis deck parce qu'en fait il neige pas, hein. C'est de la neige fondue, je sais pas si vous verrez bien, enfin on voit pas mais c'est des gros flocons mais qui tombent, ils sont déjà fondus quoi, quasiment il fait pas assez froid dehors pour que ça reste, c'est dommage, j'adore, c'est un peu plus rare hein, chez nous, mais quoi que non, c'est pas si rare que vous le pensez en fait, parce qu'il neige très souvent en Corse, c'est juste que forcément... selon où on se trouve, on n'a pas la chance d'avoir la neige. Mais bon, moi je suis quand même dans une ville où théoriquement on a la chance de l'avoir. Et l'année où la neige est restée pendant bien une semaine à deux semaines, je n'étais pas là. J'étais dans le sud et moi j'avais pas un seul flocon. Voilà, là j'espère qu'il va neiger. Après si on monte un petit peu en montagne, il y a de la neige, hein, ça c'est clair et net. Mais j'aime bien quand il neige là, devant quoi, à proximité. Voilà, donc sinon quoi d'autre, je vais vous montrer mon ouvrage de broderie
Parce que c'est hyper, hyper cool. Là, j'ai terminé. Et je vais commander du papier carbone, en fait, pour pouvoir faire mes propres dessins et les transférer, en fait, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Quand j'essaye de recopier, vous voyez, à travers par rapport à un dessin en calque, hein, eh ben, c'est pas assez lumineux. Enfin, ma toile est trop épaisse, du coup, j'arrive pas à bien délimiter les détours et tout. Je voulais faire avec des patrons Disney, avec des trucs de manga. Enfin, j'ai tout plein d'idées là de broderie que j'aimerais trop trop faire et je peux pas trop. Donc, j'ai commandé des feuilles de carbone parce que là, dans ma mercerie à côté, il y en a pas. Là où je me suis procuré les fils, tout ça. Et du coup, bah, c'est un petit peu dommage. Voilà, je me suis motivée, j'ai mis le trépied. J'espère que vous entendez pas trop la machine. Il y a Anatole qui est en train de tourner. J'espère que ça s'entendra pas trop. Donc, je vous montre mon ouvrage de broderie terminé. Donc, c'est encore assez simple, hein, hein, clairement. Mais je me suis trop trop améliorée dans les feuillages, notamment. Je vais vous comparer avec mon premier qui est juste là. Voilà, ça, c'est mon premier ouvrage. En plus, vous pouvez voir derrière les nombreux fils par transparence, parce que bah, forcément, hein. Une première broderie, plein d'erreurs, plein de retouches de... Mais vous voyez, le feuillage était quand même assez simple. Et là, un petit peu plus propre derrière quand même, hein. Et surtout, un feuillage beaucoup plus détaillé. J'ai appris d'autres points. Là, on a le point de rod. Là, on a le point de chaînette ou de bouclette, je sais plus. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, je suis trop contente. Bon, là, forcément, ça rend pas hyper bien avec ces tambours parce que c'est des tambours colorés. C'est des Max qui me les a pris. Mais je pense que je m'en servirai à terme pour broder sur mes t-shirts et tout, pour ne pas garder la création. Mais si on veut offrir un tambour comme ça, brodé, c'est plus joli quand il est en bois, clairement. Comme ça, il s'adapte avec toutes les couleurs et tout. Là, ça casse un petit peu l'harmonie. Et ça serait beaucoup plus joli si... vous voyez le joli relief que j'ai réussi à faire. Je suis trop contente. Non, mais en vrai, je suis trop fière de moi parce que je pensais tellement pas y arriver et progresser si vite. Parce que clairement, voilà, j'ai fait ça. Et après, je suis passée à ça, et du coup, là, je vais passer à encore. Je vais essayer d'augmenter le level, de passer à quelque chose d'un petit peu plus. D'un petit peu plus complexe au niveau des feuillages, et essayer de faire des fleurs plus grosses aussi. Du coup, je me suis pris du matériel pour justement broder des fleurs dans les teintes de violet, rose. Voilà, donc les fils que j'ai pris sont trop trop beaux, j'adore. Voilà, j'ai pris toutes ces nuances-là. Donc là, c'est plutôt cool, hein. Toutes ces nuances-là, j'ai pris également un bleu comme ça pour si je fais quelque chose avec l'espace. Et bien sûr, noir et blanc classique. Et noir, j'aimerais bien pouvoir broder en fait sur les t-shirts. Du coup, sur t-shirt, j'ai encore jamais brodé, mais je pense que c'est pas. Enfin, ça doit pas être bien différent. C'est juste le tissu forcément qui va différer. Et donc, peut-être la manière de broder qui ne va pas être la même. Mais. Je pense que je peux très bien arriver à suivre les contours d'un dessin plus ou moins complexe et réussir à le faire. Donc j'ai trop hâte, mais si vous saviez, je suis trop enchantée en fait de m'être lancée dans une nouvelle activité créative qui permet à la fois de faire autre chose parce que je vais pouvoir, quand je fais ma broderie, avancer dans mes séries, avancer dans mes documentaires avec cette intention de regarder plus de documentaires parce que j'adore ça en fait, et beaucoup plus notamment de documentaires historiques parce que j'adore ça. Et voilà, du coup, je suis bien trop contente de cette activité. Au niveau de mes lectures, tiens, vu que je vous ai là, je vais vous parler de mes lectures en cours. Je vais les chercher, elles sont dans la chambre. Comme ça, je vous montre un petit peu ce panel. Et d'ici demain, la fin du week-end, je ferai un point sur ce que j'ai avancé et tout au niveau des lectures. Et j'aimerais bien terminer au moins un livre que j'ai en cours, ou celui sur ma liseuse, ou le livre papier d'ici demain. Je dis ça depuis le début de la semaine. Donc je vais les chercher. En plus, c'est des mini-livres, hein, mais bon, il y a des phases, hein. Alors, je vous présente tout d'abord ma petite lecture que j'ai sur Kindle. Enfin, sur ma liseuse, hein, qui, moi, est une Kindle, mais vous pouvez le retrouver sur plusieurs formats. Et c'est un livre auto-édité que j'ai eu la chance de recevoir par l'intermédiaire bah, de son autrice qui m'a contactée, savoir si j'étais intéressée pour le lire, en faire une chronique vidéo, si je le souhaitais, tout ça, et si le livre me plaisait, voilà, donner mon avis. Et clairement, j'étais hyper ravie voilà, d'être contactée par cette jeune fille qui est auto-éditée et qui est en plus l'amie d'une connaissance et tout. Enfin, j'étais vraiment contente en fait de voir que par le biais de connaissances et de centres d'intérêt, on pouvait un petit peu relier et s'entraider chacun. Je trouve que c'est vraiment un média exceptionnel pour ça, YouTube, Instagram et tout.
Parce que voilà, avec nos connaissances, ben, on peut intervenir et peut-être donner un petit coup de pouce ou juste faire connaître un nom, un titre de livre, un titre de jeu, un titre de n'importe quoi, qui peut, hop, peut-être intéresser même une seule personne. Mais c'est déjà gagné. Donc bref, cette jeune femme qui est Margot Moya m'a contactée donc pour me faire lire son livre qui est La machine à écrire. Et la machine à écrire, n'importe quoi, il y a une machine à écrire effectivement dans le livre, mais ça s'appelle La machine à aimer. Et c'est donc c'est une romance. Vous savez que moi et les romances, c'est très compliqué. Je suis difficile en romance, j'aime pas ce qui est niais, j'aime pas ce qui est young adulte et tout. J'aime la romance adulte qui a du sens, qui est intéressante, qui sort un peu des clichés gnangnan et tout. Je suis hyper compliquée avec ça et j'ai beaucoup de mal avec, même ne serait-ce que en cinéma, hein, les romances, dès que c'est un peu gnangnan et tout, ça me fatigue très très vite. Donc voilà, j'arrive pas à me laisser embarquer en fait par une romance qui n'est pas crédible et tout. Enfin voilà, j'ai du mal. Et là j'étais hyper intriguée parce qu'en plus c'est une jeune femme qui je crois est un peu plus jeune que moi, mais voilà, qui tourne un petit peu autour de ma tranche d'âge et qui donc a créé une histoire bah, qui se veut assez réaliste en fait. Et c'est ça que j'ai adoré au niveau, enfin, que j'adore de ce que je lis pour le moment. Voici, hein, là je suis au chapitre 11, ce qui correspond à un petit peu plus de 25%. Et en fait, rien que le début, ça m'a happé parce qu'on est dans quelque chose de naturel, de réaliste. C'est une rencontre et... les personnages, en fait, ils ont une attirance, une sorte d'alchimie qui se développe. Ils n'ont rien demandé, en fait. Hein. Ils vivent leur vie tranquillement et ils se rencontrent lors d'un vide-grenier, tout simplement. Et là, c'est ça, en fait, c'est l'évidence. C'est une rencontre comme ça, on l'attendait pas, on l'a pas programmée. C'est pas une rencontre arrangée, amenée, machin truc. C'est ni le bad boy, ni le mec fragile, ni la relation toxique, ni... voyez tous ces codes un peu clichés des romances qui sont généralement très appréciés, que j'ai horreur, mon Dieu, j'ai horreur de ça. Et là, pour le moment, je retrouve pas du tout ça dans cette romance. J'adore, il y a énormément d'humour, les personnages... ils sont pour l'instant très bien écrits, on s'attache à eux. Charlotte, qui est donc le personnage principal, la jeune femme, est trop jolie en fait. Elle est belle parce qu'elle dégage, je trouve, et elle m'a trop 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 touchée pour le moment dans sa petite expérience en fait. Et enfin, j'adore. Et le garçon, pour le moment, je vous avoue, qui me fait fondre, il est trop cool, il a pour vocation et pour envie de devenir pianiste, donc il met tout en œuvre, il voyage beaucoup, il a beaucoup beaucoup d'occupations et il fait passer sa vie professionnelle un petit peu avant ça parce que c'est son rêve, il veut y arriver, il veut vivre du piano et de sa musique. Et voilà, c'est un mec hyper hyper engagé et qui a l'air d'être sain, quoi. Donc ça, j'aime bien quand c'est des personnages normaux qui peuvent ressembler à tout un chacun et j'adore. Donc pour le moment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que la plume, elle est naturelle, elle est proche du lecteur, elle est légère et en même temps pleine d'humour et de bons sentiments en fait. Et voilà, donc pour le moment, j'aime beaucoup. Je vais le continuer avec grand plaisir. Surtout qu'elle m'a gentiment envoyé son deuxième livre qui là est plus un roman d'aventure, d'aventure de ce que j'ai pu comprendre, qui s'appelle La Fuite. Donc j'ai beaucoup beaucoup trop hâte également de me plonger là-dedans pour voir et découvrir ben, la plume de Margot Moya dans un style qui va être complètement différent là pour le coup. Donc voilà, je suis hyper contente et encore merci à toi, je sais que tu passeras par ici, mais j'étais hyper touchée par cette spontanéité et voilà, et pour le moment j'aime beaucoup beaucoup ce que tu nous proposes. Bien entendu, je vous ferai un compte-rendu final hein, quand j'aurai lu le livre entièrement, que ce soit La machine à aimer ou La fuite, et je vous ferai un avis donc complet en update lecture avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Vous le savez, de toute manière, je suis toujours très sincère et voilà, même s'il y a des points que j'ai pas aimé, je n'aurai aucune gêne à les dire. De manière générale, moi je déteste défoncer un livre, donc là ça risque pas d'être le cas puisque pour le moment j'aime beaucoup, mais de manière générale j'aime pas défoncer un livre parce que je me dis que la lecture c'est tellement subjectif en fait et c'est difficile d'avoir une objectivité qui permet de dire ce livre, il est nul. Non, en fait, ce livre ne sera pas nul. À moins qu'il ait des propos déplacés, violents, qui soient vraiment à la limite. Là, oui, je trouve que c'est intéressant de le dire et de mettre une limite, de ne pas conseiller d'aller vers ce livre parce qu'il n'est pas correct. Mais au-delà de ça, je trouve que si un livre ne me plaît pas à moi, c'est pas parce qu'il ne m'a pas plu, qu'il ne va pas vous plaire à vous. Et je trouve intéressant d'essayer de trouver toujours
des points positifs dans un livre pour vous donner peut-être, vous, l'envie de le découvrir d'une autre manière. C'est peut-être, admettons, un thème qui ne m'a pas touché moi, mais qui va vous toucher en plein cœur parce que vous avez été concerné ou parce que vous connaissez quelqu'un qui se situe dans cette situation que l'on retrouve dans le livre. Enfin, y a tellement, tellement, tellement de choses à prendre en compte, je trouve, dans une lecture, dans un univers qui va plus ou moins nous parler. Et donc, je suis pas très partisante du fait de démolir un livre. Et voilà, quand j'aime, je le dis. Quand il n'y a pas de point noir et que moi, il y a tout qui m'a plu, je le dis avec grand plaisir. A contrario, quand j'ai pas aimé un livre, j'essaye de trouver quand même quelques petits points positifs qui pourraient éventuellement plaire à des gens. Voilà, donc ben, c'était juste pour vous dire que, comme d'habitude, je serai transparente, même s'il y a des choses que je n'ai pas aimées, et c'est pas parce que ce livre m'a été envoyé gratuitement et très généreusement que je ne dirai pas ce que j'ai pas aimé. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, du coup, en livre papier, je lis Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Donc c'est une parution... Aïe, je me suis mordu la langue. Ah. Août 2020. Voilà, août. J'espère mon marque-page, ça va pas le faire. Août 2020, donc ouais, c'est très récent. C'est publié chez la Manufacture de Livres, qui, moi, une édition que je ne connaissais absolument pas. Je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. C'est 16,90€ ce livre. Il est donc tout petit. Il n'y a pas un travail fou qui est fait dessus. Bon, il y a des petits rabats comme ceci. Mais pour le même prix, il y a Anne de Green Gables, publiée chez Monsieur Toussaint Louverture, qui est juste un des plus beaux livres de ma bibliothèque, où il y a eu un travail exceptionnel de recherche, de rendu, de travail sur le papier, sur la reliure. Voilà. Bon, après, hein, c'est comme ça. Hein, y a plein de... Au niveau des droits, des... Ce qui explique que les prix sont plus ou moins chers en fonction des maisons d'édition. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je trouve que c'est un peu abusé, parce que surtout que c'est un livre de moins de 200 pages, quoi. Bref, mais du coup, donc c'est un livre du panier lecture et je suis pour l'instant très emballée. J'aime beaucoup comment c'est écrit. On nous conte en fait l'histoire d'un père et de ses deux fils. Et en fait, j'adore suivre l'expérience de cette famille, de cette fratrie qui va évoluer en fait avec ses désillusions, avec ses espoirs et... Je trouve que c'est foncièrement beau de voir les sentiments du père et également les ressentis des fils qui vont petit à petit grandir puisqu'on les suit des matchs de foot où le père reste pendant des heures à les regarder jouer jusque là leur période des études, j'en suis là, donc je ne sais pas du tout jusqu'à où ça va. Mais en attendant et entre-temps, leurs relations ont beaucoup évolué avec des mouvements, avec des événements qui vont se produire, qui vont plus ou moins les rapprocher ou les éloigner. Voilà, il y a une certaine distance qui se crée tout en mesurant un petit peu cette souffrance qui commence à émerger de cette relation qui va se distendre petit à petit. Pas avec les deux fils, mais enfin, voilà, il y a les relations qui vont changer et on a tous ces ressentis intérieurs, en fait, que ça peut procurer et également, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce roman. Il arrive à nous faire mettre à la place, ben là pour moi, mettons, de mes parents. Voilà, avec un ressenti, même si je suis très proche de mes parents et que j'ai pas forcément cette petite animosité qui va se créer à un moment donné avec l'un des fils. Mais je trouve que c'est hyper beau la manière dont c'est décrit et on sent que certains personnages en souffrent et que... Donc j'espère que ça va évoluer, que... Tout va s'arranger et tout. Voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais pour le moment, j'aime beaucoup l'écriture. Je trouve ça très franc. Vous savez, c'est ce genre de livre avec des phrases assez courtes, assez brutes, mais qui font mouche. Voilà, moi, j'aime beaucoup aussi ce style d'écriture qui est assez direct, hein, je dirais. Et voilà, pour le moment, c'est sympa. Très, très sympa même. Enfin, en lecture graphique, celle dont je vous parlais, qui est en pause depuis un long moment et que je pense pas reprendre là dans l'immédiat, je vais me focaliser sur mes lectures de bibliothèque et sur Blue Flag, je pense. Et voilà, c'est Moss, l'intégrale, dans une édition absolument merveilleuse de Flammarion. Ouais. Donc là, avec une reliure tissu, là, le dos est tout tissu, il est magnifique. C'est un hardback également, il est très très beau. Hein. Et en fait, c'est une BD, hop, je vous montre. Poc la petite Nimia, petit marque-page, une de mes illustratrices préférées, qui a fait ma bannière de chaîne, mon logo.
vous en parle tout le temps. J'aime trop, regardez, c'est une super héroïne. Bref, voilà comment se présente l'ouvrage. Donc c'est des toutes petites cases dans un style très particulier. C'est une BD donc tout en noir et blanc. Où les personnages principaux sont des souris, et en fait cette BD va nous conter l'histoire très violente d'un papa. Il est là, il s'appelle comment déjà, monsieur Vladek Spiegelman, voilà, Vladek Spiegelman, qui va un petit peu conter son expérience durant la Seconde Guerre mondiale à son fils, et son fils pense que cette histoire est forte et belle à être racontée, à être écrite, et c'est ce qu'il a en tête, en fait, d'écrire toute l'histoire et l'expérience de son papa. Donc voilà, pour le moment, j'en suis qu'au début, puisque j'ai lu que 57 pages, donc j'ai mis le livre en pause à ce moment-là, mais je trouvais que c'était très percutant, déjà, propos bien sûr très intéressant. Là, on y apprend et on y retrouve la rencontre de Monsieur Spiegelman avec sa femme, la séparation au moment de partir en guerre. Et voilà, on va parcourir un petit peu toute son expérience, et je pense que ça va être de plus en plus émouvant au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. C'est vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, ça me perfore à chaque fois, mais je trouve ça tellement enrichissant, intéressant et important. Voilà, c'est un livre assez emblématique, une BD connue et très très appréciée. Donc voilà, forcément je la poursuivrai, mais je pense que j'étais pas forcément dans le meilleur moment pour me lancer là-dedans. Voilà, là j'ai envie d'un petit peu plus de légèreté, de tranches de vie, d'expériences diverses et variées. Mais s'il continue avec cette neige fondue, il faudrait que ça tombe de 2-3 degrés, hein. C'est tout. Et on a de la neige. Bon, voilà, du coup, je pense que je vais là me lancer dans mes lectures graphiques que je vous ai montrées précédemment. Là, franchement, je suis déjà toute excitée à l'idée de me dire que j'ai un tome par jour pendant une semaine. Je vais pouvoir me faire la saga, être à jour et attendre le tome suivant avec impatience. Ça, j'aime beaucoup trop, donc je suis trop 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 contente. Voilà mes Wapis, donc je vais vous laisser là pour le moment. Je vous reprendrai un petit peu si je lis pour vous faire un petit point et bien sûr sur les avancées. Et puis pour d'autres choses certainement. Je fais à tous de gros 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 bisous. À bientôt. Après la dernière vidéo là, tout simplement le dimanche, on est resté à la maison avec mon Bmax, avec qu'il a un peu des problèmes de dos, de trucs, de bon, on est resté tranquille, et du coup moi j'avais pas trop envie de filmer, voilà, on est resté tous les deux, et hier j'avais ni la forme ni le moral, donc j'ai pas voulu me forcer, mais je me suis fait un moment de lecture, ça c'était dimanche, pour terminer Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin, et c'était juste trop trop bien. Je m'étais installée avec mes nouveautés que je vais vous montrer là juste après, que j'ai eu à Noël, et je me suis fait une séance complète, genre j'avais mis mon téléphone à côté pour pas être distraite, rien du tout, mais c'était un pur moment de bonheur, franchement c'était trop trop bien, et ça fait longtemps que j'avais pas eu un moment lecture si gracieux, je dirais, voilà, vraiment sans dérangement, sans rien, tranquille et vraiment dedans, vous voyez, parce que ces derniers temps, je lisais un chapitre, je m'arrêtais, enfin, je manquais de concentration, voilà. Et là, j'ai lu donc tout le reste du livre qui me restait donc, je dirais, une centaine de pages d'un coup, et c'était juste génial. Donc, Ce qu'il faut de nuit, donc c'est la première lecture de mon année, clairement, enfin, avant les 2-3 mangas que j'ai lus, en roman, je dirais, et c'est une première claque, j'ai adoré ce roman. Clairement, c'est très court, ça se lit très vite, hein, moi j'ai mis beaucoup de temps là, mais ça se lit très vite, et on est vraiment impliqué dans l'histoire, et en le commençant, je n'imaginais pas à quel point, en fait, on allait être engagé dans l'histoire, puisque je vous laissais en vous disant que j'en étais un petit peu au passage des études, hein, les garçons avaient grandi et on les suivait un petit peu, on suivait leur père,
voilà, qui essayait de faire au mieux pour les aider durant cette période qui est, on le sait tous, assez délicate, que ce soit au niveau de l'installation, voilà, du logement, des premières peurs et autres qui s'installent concernant les études, et si j'y arrive et si j'y arrive pas. Enfin, bref, il y a tout un état d'esprit qui s'accompagne pour ceux qui ont fait des études. Je pense que vous voyez bien de quoi je veux parler. Et puis, en fait, ça part vers un autre penchant par la suite qu'on a un petit peu abordé, mais il y a un des fils qui trempe un petit peu dans un penchant politique, je dirais. Et cette partie-là va prendre beaucoup plus d'importance jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Un événement en particulier qui va complètement bouleverser la famille, les frères et le père, et qui va avoir un impact sans précédent, effectivement, sur la famille, sur donc les deux fils et sur le père, également sur quelques personnages que l'on retrouve dans le roman et qui tournent autour. Et waouh, qu'est-ce que c'est impactant! Je pensais pas être aussi impliquée en fait avec cette nouvelle confrontation qu'on se prend vraiment en plein dans la face. Clairement, je m'y attendais pas. On voyait que ça trempait et tout, mais ce livre, il nous rappelle en fait l'essentiel. Il va à l'essentiel et il nous rappelle ce qui est vraiment essentiel, je dirais. Et du coup, c'est vraiment un livre qui fait du bien, malgré ses propos qui sont forts, qui sont vraiment violents et très graves également. Il fait énormément de bien parce que il essaye aussi de nous recentrer. On se pose beaucoup de questions. Et qu'est-ce qu'on ferait si on se retrouvait dans une telle situation, impliquée dans des choses si graves? Je veux pas vous dire le cœur du truc parce que c'est une surprise quand ça arrive, et donc du coup j'ai pas forcément envie de vous révéler cet événement de l'histoire, mais c'est excellent, c'est vraiment excellent, c'est très très bien mené, et les ressentis qu'a le père sont dingues. Franchement, c'est... On y voit, mais c'est un roman qui parle d'amour, d'un amour familial. On a tous les sentiments de ce père qui aime ses fils profondément et qui est là, quoi, et qui en souffre, et qui... Ah, oh, c'est beau, c'est beau, mais alors, c'est assez violent, assez fort, et c'est d'une rare violence, hein, franchement, et c'est excellent. Donc voilà, si vous aimez ces romans qui traitent de sujets graves, importants, et qui en même temps véhicule de la positivité, je pense que ce livre peut vous plaire parce que voilà, il nous fait cogiter, il nous rappelle tout ce qui est important, tout ce qui est rare, et à quel point il faut chouchouter, être présent pour ce que l'on aime. Et des fois, malgré ça, malgré tant d'investissements, eh bien, il y a des événements qui se passent qu'on ne voit pas arriver, qu'on n'a pas vu venir et qui arrivent. Et il faut juste prendre le dessus et être là quand ça se passe, essayer d'aller de l'avant, malgré la culpabilité parfois et malgré des sentiments obscurs qui nous envahissent, on ne peut pas faire autrement. Et alors que on n'est pas impliqué en fait, c'est pas forcément notre faute, mais malgré notre proximité avec les personnages qui sont concernés directement par l'affaire, on peut pas faire autrement, il y a notre cœur qui bat et on est là, on est impliqué, on peut plus dormir et c'est comme ça. Et du coup, je trouve ce roman vraiment très très beau. Je suis hyper contente de l'avoir découvert. Donc je dis un grand merci à Princesse Poupie d'avoir sélectionné ce livre par instinct, en fait, je dirais, dans le panier lecture, puisqu'il n'était pas sur ma wishlist. Et ça a clairement des fois du très très bon, parce que je ne sais pas si je serais allée vers lui comme ça. Donc je suis ravie, ravie de l'avoir lu, et c'est un très bel ouvrage. Sinon, du coup, en parallèle, j'ai lu un manga de mon bibliohall. Donc ça, je vous en reparlerai dans un compte-rendu lecture. Je pense que je ferai le compte-rendu lecture avec donc mes différentes lectures de début d'année et effectivement les lectures manga, graphique, tout ça que j'ai emprunté à la bibliothèque, et spoil, j'ai adoré ce que j'ai lu. Et là du coup, depuis lundi, là on est mardi, j'ai lu Blue Flag, donc j'ai relu le premier tome lundi. C'était toujours très bien, mais j'en avais des bons souvenirs, mais je voulais être sûre d'avoir bien surtout les noms en tête, parce que vous savez que c'est une catastrophe pour moi, mais voilà, vraiment avoir bien les relations en tête. Et du coup, ce matin, j'ai enchaîné avec le tome 2. C'était juste un pur moment de bonheur, c'est génial. Ici, on est beaucoup dans l'aspect sportif dans ce tome-là. Il se passe beaucoup de choses au niveau sportif, au lycée et tout, et les relations évoluent déjà beaucoup. Enfin, je trouve que c'est une saga qui perd pas son temps, parce qu'au tome 2, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées entre les personnages, et j'aime beaucoup pour le moment. Donc j'ai hâte demain matin de me poser pareil avec mon thé
et de lire mon livre. J'ai le temps hein, en ce moment, moi je ne travaille pas pour le moment. Voilà, situation très compliquée oblige, mais bon, c'est comme ça, je perds pas espoir, j'essaye de rester motivée. C'est pas facile tous les jours, mais ça va le faire, j'ai confiance. Du coup, je vous montre un petit peu mes thés que j'ai eu à Noël. Donc là, j'avais demandé en fait à mes parents principalement des bons thés, parce que, mais surtout des thés en vrac, parce que j'ai beaucoup de thés. Oui, j'en ai beaucoup, parce que j'en bois régulièrement, mais j'ai beaucoup aussi de sachets. Et donc, j'avais envie de passer une consommation plus. Plus écologique, je dirais, avec moins de déchets, et du coup du thé en vrac directement qui se jette dans le compost, et voilà. Même si les sachets aussi hein, sont maintenant compostables, mais bon, voilà, il y a du pour et du contre, mais c'est vrai que le thé en vrac c'est quand même ultra pratique également, et pour faire de grosses quantités surtout. D'où la grosse théière. Voilà, qui est donc une théière ou cafetière en réalité, parce qu'elle fait les deux, elle est spécialisée dans les deux, c'est la marque Espro. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent une grosse contenance, j'avais demandé à mes parents, voilà, une grosse contenance en fait. J'avais pas précisé de marque, de machin, de truc, je m'en fiche complètement. Mais surtout, quelque chose qui filtre super bien. Je voulais vraiment avoir un thé, utiliser mon thé en vrac et ne pas avoir de résidus. Vous savez, moi, quand je l'ai fait moi, eh bien, j'ai toujours des résidus et tout, et c'est pas agréable. Et donc là, dans cette cafetière-ci, on a une sorte de double filtre, mais genre ultra performant, c'est juste trop trop bien. Là, il y en a un et il y en a encore un dessous, ce qui fait que mais vous n'avez aucun résidu. Mais ouais, puis c'est un truc de fou, je m'attendais même pas à ça. En fait, je me suis dit, bon, il y aura quand même 2-3 résidus, mais pas du tout. Donc c'est très simple, hein, c'est une cafetière, théière à piston. Donc vous mettez votre thé en vrac au fond, vous mettez votre bouillante, vous laissez infuser le temps recommandé par le thé en question, et après vous faites ça avec le piston. Là déjà c'est hyper plaisant, et là tac, vous voyez le thé prendre forme et la couleur et tout, et genre il y a zéro résidu dedans, c'est juste la perfection. Je suis donc ravie, je peux me faire des grosses quantités de thé comme ça et en boire beaucoup dans la journée. Voilà. Donc ça, je suis hyper contente. Du coup, mes parents m'ont offert pas mal de thé, et il y a aussi ma belle-sœur, voilà, la sœur de Bemax, qui nous a offert du thé, donc notamment le Kousmiti Impérial Label. Ensuite, mes parents m'ont offert celui-ci. Alors celui-là, il est génial, c'est Aqua Summer, donc il peut se déguster glacé aussi, donc ça va être trop trop bien. Et Pêche Hibiscus Abricot. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je pense que ça va être délicieux. Celui-ci, c'est amande. Clairement, trop trop bien. Voilà, amande, c'est une de mes saveurs préférées, tout confondu en fait. Là, on a également le Saint-Pétersbourg, celui-ci. On ne l'a pas encore déboxé, mais on le connaît déjà avec Bemax. On l'aime bien. Donc, c'est des thés de Kousmiti, ceux-là. Et enfin, celui-ci, je l'ai goûté dimanche, je crois. Mangue, fruit de la passion, il est excellent, et du coup il peut aussi se consommer froid. Ça, je pense que ça va être hyper agréable de les consommer en été en thé glacé, cela. Et du coup mon père nous a également pris aussi, enfin mon père, mes parents, tout simplement, celui-ci, délice de fruits rouges. Donc c'est un thé noir, il est excellent, je l'ai goûté également, et c'est de la marque Origine, Tea and Coffee, donc spécialisé dans les deux, c'est tout bio, les emballages sont hyper cool, et franchement pour le moment j'ai adoré celui-ci, clairement je ne connaissais pas du tout. Et de la même marque, on a le thé vert à la vanille, donc qui est un classique, indémodable. J'adore le thé vert et j'adore la vanille, donc très bien. Et le dernier, c'est une édition limitée des thés de la pagode Nuit Impériale, tac, et il s'appelle Cerise Givrée, s'il vous plaît. Thé noir, cerise et amande, incroyable. Incroyable, incroyable, je l'ai goûté, mais je m'étais fait juste une petite tasse, donc j'ai hâte de le faire dans le bien filtré et tout, là ça va être une tuerie. C'était une édition limitée, donc je suis contente de l'avoir, parce qu'après bah, c'est plus commercialisé, on passe à côté de goûts assez intéressants. Donc voilà, là clairement on a la dose de thé, il m'en restait encore un peu et tout, mais franchement trop trop contente, ça va vraiment permettre de en plus améliorer ma consommation de liquide, parce que je ne bois genre jamais. Des fois je passe des journées sans boire, et le soir je me dis, ah tiens, j'ai soif, je vais peut-être boire un petit verre d'eau. Et du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je bois plus, hein, parce que c'est bon, tout simplement, pour tout. Et voilà, le fait de déjà boire un litre
de thé, infusion par jour, ça peut être bien, faut pas non plus trop en consommer, je le sais, hein, vous en faites pas, mais voilà, ça peut être vraiment bien à côté d'autres liquides, bien sûr. Et puis voilà, du coup, ça, je suis trop contente, tout à l'heure, j'aime le faire, là, je vais aller acheter un petit cadeau à Bmax. Parce que pour Noël, je lui avais fait une jarre à mots avec tout plein de mots, donc sur plusieurs jours, hein, il en a encore pour bien longtemps, avec bah, ou des petits mots doux, des petits souvenirs, des petits bons pour un tiramisu, pour voilà, tout plein de petites choses. Et là, c'était le ticket, le petit bon pour un cadeau de ton choix. Sauf qu'il n'arrive pas à se décider, donc moi j'ai une idée, donc je vais aller lui prendre un petit cadeau. Voilà. Voilà. Bah sinon, je vous reprends quand j'aurai un petit peu avancé. Je pense que je vais commencer aujourd'hui un livre de mon biblio haul et avancer un petit peu dans la machine à aimer parce que j'ai hâte d'avancer et que j'ai hâte de plus vous en parler également. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, il sera dans mon prochain update lecture qui arrive sur la chaîne, je ne sais quand, mais qui devrait arriver, où je pense que je vous ferai un bilan de la saga Blue Flag, des lectures graphiques. Enfin, je pense que ça sera un gros update lecture, le prochain qui arrive sur la chaîne. Vous voilà prévenus. Et puis, je pense aussi faire un tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire si éventuellement ça vous intéresse, mais quoi qu'il en soit, je pense le faire. Un tag BookTube qui date de... Voilà, hein, de bien 5-6 ans maintenant, je crois. C'est simplement le tag livresque de A à Z qui permet de répondre à des questions toutes simples, mais qui sont, je trouve, intéressantes pour cibler quelques goûts et mieux connaître la personne. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous, même pour cibler ce que j'adore vraiment en lecture et les livres qui ressortent de mon univers, de chez moi, je dirais. Et puis, voilà, je le trouve hyper intéressant et j'avais vraiment envie de le faire, donc peu importe... s'il est ancien ou récent, de toute manière, les questions sont toujours intéressantes. Donc, je vois pas pourquoi je me priverais de le faire si ça me fait plaisir. Donc, je pense que ça arrivera sur la chaîne. Et puis, j'ai quand même bien envie de faire un Disney Voice. Donc, je pense que je vais choisir j'ai une petite idée d'ailleurs, d'un doubleur que j'aime beaucoup, qui a fait pas mal de choses dans les Disney. Donc voilà, j'ai envie de retravailler, je pense, sur un petit Disney Voice, ça peut être cool. Et puis voilà, je vous tiens au courant de toute manière, mais au final ce vlog aura duré plus de jours que prévu, mais c'est pas grave, il faut aujourd'hui que je commence le montage, ça serait bien puisque c'est la vidéo de ce dimanche, on est mardi, faut quand même que je m'y mette, quoi. Voilà, donc ben, je vous fais de gros bisous, je vous reprends un petit peu plus tard. Sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.